Deux gros croiseurs lancent missiles américains débarquer la Chine. Autorités l'armée chinoise répondent. Bagay la compliqué. D'après pays la Chine, pour mener chercher par jambes dormir sans souper. Mais pour qui ça les États-Unis voyaient leurs missiles ça yo tout près pays la Chine. Mettez là, vous pouvez aller les terres. Le pays Pakistan, situation compliquée. Environ 1500 chrétiens vivant perdus la vie. Bonjour, bonsoir Internet, comment vous êtes? Moi, c'est Kestel Dolé. Merci parce qu'on a supporté le travail ça. Merci parce qu'on a jamais abandonné. Si vous avez dit petit côté, vous avez regardé là. Et si vous avez quitté un like, quittez me rappeler encore. Si vous n'avez pas abonné à Kessinfo, faites ça courir. Parce que nous travaillons pour vous. Cherchez côté bouton j'aime, cliquez sur lui. Partagez avec toutes les amis. Ça peut passer le monde comme ça. De jour en jour, bagaille la ville, puis matin. Autorité de l'armée chinoise a annoncé que l'armée a un état d'alerte maximal. Mais tout ça, c'est à cause de deux croiseurs lance-missiles américains qui fait un transit dans l'eau internationale qui entre Taïwan et pays la Chine. Par ça, la cause autorité pays la Chine est estomaqué, yo frappé pied pour eux-mêmes, ça sont des respectants. Des respectants parce que d'après yo, pas que de la Chine, sont seuls la Chine. Malgré Taïwan, c'est un pays qui gagne gouvernement depuis plus que 50 années, mais pays la Chine lui-même s'est monté le patin de l'paoué. Par de la Chine, c'est yon seul. D'après yo, Taïwan sont tisilés qui lui-même a fait rebelle jusqu'à présent, mais Taïwan en de la Chine. Pour yo, les États-Unis par aucun droit permettre d'y voyer deux gros bateaux de guerre dans la zone ça. Pour les États-Unis lui-même, ils considèrent transit ça comme un transit de routine parce que pour lui, l'eau internationale yo, la Chine pas de droit gérer pour col. Parce que zone ça, c'est une zone qui est extrêmement importante pour l'économie mondiale. L'armée américaine a annoncé qu'elle a continué parce que yo gen droit pour yo transiter dans l'eau internationale. Vous vous rappelez, région Indo-Pacifique, là, les États-Unis lui-même, li toujours abgoumé pour région ça, li rete libre et ouverte. Yo pas d'accord pour c'est la Chine pour col qui dirige elle. Et c'est une plus grosse raison qui fait yo prêt pour yo attaquer un cas où la Chine t'a envahi Taïwan. Et là où qu'on est si sa fête, nous qu'a dit tout carrément, c'est troisième guerre mondiale. Dans le pays Pakistan, situation compliquée à cause yon volume la pluie qui pas suspend tomber, la cause l'eau montée 17 hôtels tout côté pour pépiti. Plus que 1200 chrétiens vivants perdu la vie. C'est le monde qui bouleversé. Continuez à prier. Si c'est de l'eau qu'on jetait, continuez à jeter de l'eau. Mais faut faire un barrage quand même. Cinq gros pays ça remet ensemble pour bailler pays les États-Unis ont mauvais patasouel. Ou saisi? Pays ça c'est la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Seulement annoncer Tonton Poutine annoncer bagarre, li gintan gen yon répercussion mondiale. Et c'est une raison qui la cause inflation ça kap taget monde là. Bah ça c'est pas bagarre ou attendre dans journal occidental yo, parce que yo pas de ça. Mais tendez bien. Ces pays ça on sort cité là, yo fait partie de BRICS. BRICS, c'est une organisation qui regroupe 5 pays qui sont émergents. Et ces pays, ça, qui parlent un coup pour les États-Unis, mais qui ont une répercussion mondiale. C'est ça que je vais montrer. Bonjour, bonsoir Internet. Comment vous êtes? Moi, c'est Kessinel Lolé. C'est toujours plus gros plaisir pour m'informer. Si vous avez quitté un like sur vidéo ça et vous avez dit que vous avez regardé, vous avez dit moi-même pour me dire
merci. Pas oublier partager tout côté parce que ça a encouragé travail ça à aller plus loin. Pour bien comprendre qui ça qui BRICS là, c'est un sigle qui prend une lettre dans chaque pays qui fait partie de l'IO. B pour Brésil, R pour la Russie, I pour Inde, C pour Chine, S pour Afrique du Sud. Li bat toujours les BRICS. Li fondé en 2001, le sal tere les BRICS parce que pat ko gen Afrique du Sud et à partir de 2011, yo ajouté Afrique du Sud, yo mette S là pour faire BRICS. Trop cause crémol, c'est pas des sam vin balo. En termes de comparaison, BRICS là li égal à G6 là. Pas oublier, G6 gen la donne li même États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni et l'Italie. Kounyam wap mande tête tout, mais pour qui ça y a paré kou ça pour les États-Unis et qui kou y a paré pour les États-Unis ou bien reste monde là. C'est tonton Poutine même qui bail nouvelle là. Monsieur annonce ça, il dit y a travail pour yo gagner propre monnaie internationale yo, propre monnaie réserve yo. Ou konnen, jounen jodi a, monnaie réserve internationale, li se dollar, pas vrai? Mais l'autre bagay qui extrêmement important que vous comprenne, qui rele pétrodollar. Pétrodollar, Américain yo, un bon intelligent, yo réussi convaincre tout pays exportateur de pétrole yo, yo di yo, tout moun kap achete pétrole doit payer un dollar. Maintenant, ça vient faire qui ça? Livin fait que gon demande de manière permanente pour dollar américain. Donc gros avantage pour les États-Unis. Mais tout le monde est d'accord parce que li pa ta fait sens pour chaque pays t'a payé ak monnaie pa yo dans le temps tout le monde t'a accepté. Mais avec le temps, jour a passé, année a passé, gon paquet pays qui vinn comprendre comment les États-Unis gagnent un pouvoir extrême à cause de question pétrodollar ça par rapport à sa pétrole représenté dans le monde là, pays yo relan moins, yo di yo même, yo pas d'accord. Pays tekou la Chine qui exigeait, li di li même l'a acheté pétrole mais l'a payé à propre monnaie. Depuis après invasion russe en Ukraine, yo metto paquet de sanctions sur la Russie. Pour Vladimir Poutine répliquer qui ça le fait, il dit tout le monde qui a acheté pétrole là même ou a payé en rouble. Rouble lui-même qui c'est monnaie pays la Russie et comme conséquence positive monnaie la Russie a voltige. Ça veut dire la Russie prend élan au lieu pour le baisser à cause de sanctions. Kou n'y a pas comment se comprendre qui avantage qui gagne le pays a vle fok se monnaie qui pour utiliser dans transaction internationale yo. Bon, ça pour jamais. Ou te ka dit bon, qui met les États-Unis que pays ça yo met ensemble yo créer propre monnaie yo. Ou peut-être pour qu'on pour pays ça yo. Bon, m'dou un petit bagaille. D'après estimation yo pour arriver zone 2025 yo BRICS alors pays ça yo yo a représenté 40% PIB mondial. Journée jodi a là yo entre 33 à 34% PIB mondial. Ou information yo représenté 40% population mondiale. C'est pas petit regroupement petit. Bon, ou à comprendre, la Chine, la donne, l'Inde, la donne, qui c'est deux pays qui ont plus de monde qui vivent dans eux, qui ont milliards en termes d'habitants. Mais c'est pas ça seulement, non? BRICS produit 26% pétrole dans tout le monde. Ils produit 50% acier, 40% maïs, 46% blé. Donc, ou ka comprenne, l'on mélange tout pays sa yon ensemble, BRICS sa vin fè yon super puissance nan question matière première. Donc, si yon kreye propre monnaie yon, yon mande tout pays kap achete nan men yon, fok yon paye avec monnaie pa yon wa, ou ap comprenne comment son monnaie bien rapide kap pren yon élan. Et s'il vous plaît, le pays sa yon, an di tout ça pral fait, tout ça yo produit, c'est ak monnaie ça li pral payer. Dollar li même li pral
et depuis dollars li plonger, ou ka comprendre qui conséquence ça va gagner pour les États-Unis et bien sûr pour ce monde. En effet, patasuel ça li pas bon pour les États-Unis du tout. Mais qu'on y a arrêté pour nous connaître tout, comment Tonton Sam pral réagir face à un tel projet? M'pa kwè Tonton Sam pral croiser le pied et puis pour le garder nèg yo k'ap fè qualité action ça. Mais nous connaît qui ça? Le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde ensemble qui ça yo représente. Donc on va comprendre qu'on a tout intérêt pour continuer prier pour monde là. Mais d'après vous, est-ce qu'on pense projet ça passer?